que c'est dans l'adversité que tu te plais le mieux. C'est lorsqu'il y a des vagues les plus fortes, les plus hautes, les plus puissantes, que tu te sens, que tu pètes plus haut que ton cul, que tes chevilles gonflent. Donc on est encore sur la thématique du soir, ça paye, ça change pas. Parce que derrière, t'espères les sauver, parce que derrière, les sauver signifie que t'as une preuve de ton existence. Les sauver signifie que t'es pas là pour rien, que il y a une quête qui vaut la peine d'être vécue. Il y a une peine qui est là. J'allais dire autre chose, c'est marrant. Il y a une peine qui est là, donc visiblement. Et c'est quoi cette peine? Ah, ta structure me renvoie comme information la nostalgie. T'es en quête pour évangéliser les autres, donc les sauver. Mais chez toi, ça résonne religieux, sacré. Plus religieux. Et ce système, comme tu dois évangéliser les terres inconnues et barbares et sauvages, t'as la nostalgie de ta terre natale, t'as la nostalgie de ta famille. Ce mouvement, tu crées un mouvement sans cesse, une perpétuelle quête de quelque chose, d'une, pour savoir que tu existes, comme je te l'ai dit, et de deux, pour te montrer à quel point ce de quoi tu es séparé est précieux. Plus c'est précieux, plus c'est loin, et plus tu l'aimes. Donc, tu te sens plus proche des personnes opposées à toi, sous-entendues dans ta structure que je veux sauver, que je trouve précieuse, plus précieuse que moi-même et mon existence, parce qu'elles me permettent de me sentir vivre. Est-ce qu'il y a autre chose pour toi? Ou pour le haut? Ouais. Si on zoome sur la frustration, c'est... Alors, il y a quoi derrière la frustration? C'est parce que je ne suis pas à ma place. C'est parce que je ne me sens pas à ma place. Le « je ne me sens pas à ma place » est sous-tendu par « je dois évangéliser tout le monde ». Et si j'évangélise tout le monde, je vais y arriver. C'est moi que je sauve. Ah, mais oui. Ok, t'as peur du contact. T'as peur de l'intime. C'est pour ça que tu mets ce que tu aimes réellement beaucoup plus loin que toi que ce que, en fait, les personnes que t'as rien, dont t'as rien à foutre. Dont les problématiques ne t'intéressent pas, parce que ce qui t'intéresse, c'est pas la problématique, c'est de te sentir proche. Mais t'as peur de ça. Tu t'en as autant besoin que t'en as peur. Et voilà le sujet. C'était pareil pour tout le monde, en fait. C'était une information que je renvoyais dans le groupe en même temps. Plus j'aime, plus je suis loin. Voilà ce que je pourrais dire pour toi. Bonne soirée à toi, Pauline. Salut.